Good morning, allez, Iden, les sous aujourd'hui, les Elohim, Nishmat, Charlie, Shalom, Benjamin, Sarah, ainsi que l'Irfouat, Olivier, Israël, Shimon, Ben Chaya, Esther, Ramchat, Myriam, Bat, Mozelena, Bin, Bin, Ben, Chaviva, Vetor, Shachol, Israël. Si vous êtes aussi dédié à la prochaine étude de deux Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions à Sarah Héroïne, Perikhe, Mishnah, Delet, En Modedin, En La, Bechevel, Shen, Chamishim, Ama. Lo Pachot, Velo Yoter, Velo Imdod, En La, Keneged, Libo, Aya, Moded, Veigia, La, Gai, O, Le, Gader, Mavlio vechoser le midato. Igi al har, mavlio vechoser le midato, bilvad, shelo yetse chutz latrum. Yemeno yachol lehavlio, bezo ama rabbi dostai, bar rabbi yanaï. Mishum rabbi meir, shamati shemekadrin beharim. Mishnah relativement simple, mais le principe est un peu délicat. On va s'intéresser maintenant à savoir comment mesurer les 2000 amas du Trum Shabbat. C'est-à-dire, Shabbat, on n'a pas le droit, on doit rester, chacun doit rester à sa place. C'est quoi sa place? C'est soit tes 4 amotes si tu es dans le désert, soit ta ville, parce que bon, ta ville c'est considéré tout ça comme tes 4 amotes. Autour de ta ville, tu as 2000 amas, dans chaque direction, avec les coins, on avait déjà appris comment est-ce qu'on fait. La ville, tu l'as, d'abord tu la considères comme un carré, après de là tu calcules les 2000 amas. Ça fait qu'on rajoute beaucoup plus que les 2000 amas. Maintenant, on va apprendre quelque chose de très original. C'est que Chachamim nous ont fixé toutes sortes de directives sur la manière de mesurer les 2000 amas. Des directives qui vont faire que finalement on va arrondir encore, on va continuer à arrondir plein d'angles, comme ce qu'on va découvrir tout de suite. D'un autre côté, on n'a pas voulu. C'est-à-dire, on va faire un petit peu une sorte de mise en scène, de calculer les 2000 amas, mais en sachant pertinemment que les 2000 amas, on les a pas exactement calculés. Et on a une halakha qui nous fixe. C'est-à-dire, si en théorie on avait des. Je vais directement dans le vif du sujet. La Gemara nous dit par exemple, on va voir qu'on va devoir prendre une corde spéciale en lin, en pichetane, avec une mesure spéciale qui va nous permettre de la tendre un petit peu plus et de gagner un petit peu plus que 50, mais que 50 amas, mais sans trop abuser. La Gemara dit expressément que si on utilisait des chaînes en métal pour mesurer, on aurait une mesure bien plus précise, mais la lachal était fixée comme ça. De mesure avec ses cordes en lin, comme ça tu vas gagner un petit peu plus encore. D'accord? Il y a toutes sortes de lachal comme ça. Je ne sais pas par quoi c'est motivé, est-ce que c'est quand même qu'on voulait être plus mekel. Je ne sais pas exactement. J'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé plus dans le Gemara, on n'en parle pas plus. Dans le Mishnah Berurah non plus. Et on commence maintenant à traduire en découvrant toutes ces directives qui vont nous permettre d'alléger le compte des 2000 amas, de l'élargir un petit peu plus. En modedin ela bechevel shel chamishim ama. On ne mesurera qu'avec une corde de 50 amas. Entre parenthèses, c'est déduit d'un pasouk, c'est pas un vrai pasouk. C'est-à-dire, le pasouk il est vrai, mais c'est le pasouk il porte sur le mishkan. Chamishim ba chamishim. Tu calcules 50 avec une corde qui fait 50. D'accord. Donc, on ne mesurera qu'avec une corde qui fait 50 amas. Et comme je vous ai dit, la Gemara précise qu'on parle d'une corde qui est en lin. C'est pas précisé dans le Mishnah, il me semble. Non, c'est pas précisé dans le Mishnah. Le Bartenora l'a rapporté. Exactement. Dans le premier Bartenora, Bechavel Shel Pishtan. Lo pachot velo yoter. Ni moins ni plus. Soit, la Gemara l'explique, si tu avais une corde qui faisait moins, à chaque fois tu peux tirer un peu plus. D'un autre côté, tu es confronté avec le poids de la corde qui va faire qu'elle devient lourde, donc tu ne peux pas trop tirer. Si tu prends une corde trop courte, avec deux personnes qui vont la tenir, vous allez trop tirer dessus. Si tu prends une corde trop lourde, il va s'avérer que le poids de la corde elle-même, il va la fesser, tu ne vas pas pouvoir la tendre de trop pendant le temps de faire ta bonne mesure, et du coup tu vas perdre, elle va plus descendre vers le milieu, et tu vas perdre sur les 50 amas. Donc on t'a dit, tu prends une corde qui fait 50 amas en lin. Lo pachot velo yoter, ni moins ni plus. Velo imdod ela keneged libo. Aussi bon. Là, il faudrait que tu la mettes contre ton cœur pour la tendre. C'est-à-dire, en théorie, comme le Bartenora l'explique, pas explicitement, mais c'est ça, c'est ce qui en ressort. Il faut juste faire attention. Quand vous mesurez quelque chose avec un mètre, ouais, vous le mesurez par mètre parce que vous avez la place de mettre une armoire, veillez à rester en ligne droite, vous êtes d'accord? Sinon, il y en a qui va tenir le bout d'un côté trop haut ou trop bas, vous allez voir comment votre mesure elle va devenir fausse. Vous avez calculé que vous pouvez mettre le meuble, et puis finalement, il ne va pas rentrer. D'accord? Donc il faut veiller à rester à la même hauteur. La même hauteur, on aurait pu te dire de le mettre sur la tête, de le mettre sur le cou. On a fixé de le mettre contre le cœur, comme ça, alors tu le mets contre le cœur. D'accord?
Et ensuite, maintenant, pour le moment dont tu mesures, là on va prendre maintenant, on va parler, lorsqu'il y a des dénivellations du terrain, des fois il a, on va commencer à parler d'abord qu'il a soit une crevasse, soit une petite montagne, après on va même parler lorsqu'il est en pente. On va découvrir plusieurs chidouchim dans cette Mishnah. Hayam Moded veigia la gaï. Il était en train de mesurer, il est arrivé dans une gaï. Gaï, c'est une crevasse, un fossé. Alors là, en fait, le principe général, il est comme ça. Comment on mesure les 50 amas? Si tu dois marcher pour descendre, puis après remonter, on va dire, ah, donc tu as descendu 10 amas, tu as marché encore 5 amas, tu as monté 10 amas, est-ce que ça fait 25 amas? Ou bien non, si tu te mets en haut, d'un bord à l'autre, tu vas te retrouver avec l'équivalent de 10 amas au total, par exemple. Comment on mesure? Alors la machine nous dit, ben, mavli o. Littéralement, tu l'engloutis. Ça veut dire que tu ne considères pas que toute cette distance, elle est considérée comme 15, je ne sais plus quel numéro, quel chiffre, 10, 5 et 10. Non, tu prends d'une extrémité à l'autre, et tu considères qu'il y a 50 amas. Donc tu es mavli auto, tu ne fais pas cas du fait que ça descend et que ça remonte. Vechoser les midato. Et après, tu reviens à ta mesure. C'est une phrase délicate, je vais expliquer juste après. La Mishnah me dit, parce que j'ai besoin, je préfère d'abord regarder le fil directeur de la Mishnah, voir comment ça passe, après je vous explique c'est quoi le Choser les Midato. Qu'est-ce que la Gemara déduit? Le partenaire, regardez, qui rallonge beaucoup, relativement, pour expliquer ça. La Gemara me dit, pour le moment, la Mishnah me dit pour le moment quelque chose de simple, t'es arrivé, ça descend, t'as une fosse, un fossé, tu te mets d'un côté, tu te mets de l'autre, et tu tires. Idem, si c'était, j'ai sauté un mot, j'ai dit la gadère aussi, s'il y avait une barrière aussi, tu soulèves la main, même si ça monte, tu te débrouilles pour soulever la main, comme ce qu'on va voir aussi encore mieux tout de suite. Mavlio vechoser le midato, donc tu l'engloutis et tu continues, tu reprends ta midato. Le mot choser le midato, il pose problème, donc là tu reprends ta midato, tu continues à mesurer. Je t'ai dit de mesurer sans faire cas du fait que tu rentres dans le trou. On va expliquer. Igyalar, s'il est arrivé maintenant à une montagne, eh bien aussi Mavlio, tu l'engloutis. Ça veut dire. Tu continues à calculer. Comment tu calcules? Tu calcules. Alors là, c'est mieux expliqué dans le Tiferet Israël. Comme ça ressort aussi je crois, du Tosot Yom Tov, en fait. Alpia Tosfot, exactement. C'est dans Tosfot et dans le Roche qui nous dit, tu prends comment dire, un long bâton en bois, un tasseau en bois, long de, par exemple, 5 mètres. Tu mets d'un côté, t'attaches ta corde. Tu dis à ton copain de prendre la corde de l'autre côté. Tu dis, il l'attache aussi de l'autre côté. Et comme ça, vous allez pouvoir. Même si on ne parle pas d'une montagne, on ne parle pas de l'Everest, à ce moment-là, on parle qu'il y a une dénivellation, ben, tu te mets d'un côté, tu te mets de l'autre, vous tenez le bâton. Et comme ça, vous pouvez ne pas être influencé par la différence, vous calculez que ça reste plus ou moins droit, et comme ça, vous allez pouvoir calculer. On va prendre plus de détails de calcul lorsqu'il y a dénivellation. Pour le moment, la Mishnah parle de situation relativement simple. Il y a une fosse, un fossé, il y a une petite monticule. Donc tu la dépasses comme ça, tu le prends avec un bâton et tu en sors. Donc tu te mesures et aussi Vechoser le midato. Et tu reprends ta mesure. Et la Mishnah me rajoute encore une phrase en me disant Bilvad shelo yetzer chutz latroum, à condition que tu ne sortes pas du troum Shabbat. Et là j'explique. Il faut d'abord expliquer c'est quoi le Choser le midato. Lorsque vous mesurez quelque chose et vous arrivez à. Donc je vous ai dit, vous prenez une corde, on comprend une corde de 50 amas. Pour mesurer du milama. Donc vous allez avoir 40 fois l'opération à réitérer. Vous mesurez 50, vous arrêtez là, l'autre il vient, il se remet ici, vous reculez de 50 amas, et comme ça on va arriver jusqu'à 2000 amas après 40 fois. La Mishnah me dit, lorsque tu as une fosse au milieu, ben, tu passes au-dessus, c'est pas grave, tu continues à l'attendre. Attendre ta corde, si toutefois ça tombe en plein milieu, ben, tu débrouilles pour rentrer un petit peu, t'arrêter au bord, et puis après l'autre il reprend. Ça, c'est tant que ta fosse, elle fait moins de 50 amas de profondeur aussi. Idem aussi avec ta petite monticule. Qu'est-ce qu'on fait maintenant lorsque tu as une fosse plus large que 50 amas? D'aucune manière, tu peux te mettre d'un côté. Je t'ai donné une corde de 50 amas pour mesurer comment tu vas mesurer. Tu peux pas, il n'y a rien à faire. L'autre, tu es obligé d'entrer dans la fosse pour mesurer. Tu vas entrer dedans, puis ça va modifier la mesure. Comment est-ce que tu fais? Alors c'est sur ça hein, qu'en fait, la Mishnah est venue me sous-entendre la solution en me disant Vechoser les midato. Et après tu reprends le cours naturel de ta mesure. Ça signifie que tu vas, entre les lignes, permis, requis, de quitter le cours naturel des mesures. En fait, tu as commencé à mesurer à partir d'un point, tu es arrivé à un moment
Ou maintenant tu résistais plus à continuer parce que il y avait une crevasse par terre. La Mishnah me donne la solution. Ben, tu déplaces ta corde plus haut, plus bas, plus au nord, plus au sud, jusqu'à ce que tu aies trouvé un terrain plus ou moins plein, plat. Tu mesures là-bas les 50 amas et tu refais ensuite, tu reviens, tu refais la projection de là où tu étais. Tu continues ta mesure là-bas, c'est-à-dire si toutefois quand tu vas à partir de l'est, tu vas maintenant plutôt ouais, à partir de l'est, tu vas mesurer vers l'ouest, pour moi quoi. Donc tu vas maintenant, tu dois mesurer les 2000 amas. Là maintenant, tu peux mesurer 100 amas de manière facile, après tu te retrouves avec la fosse, tu te déplaces ensuite ta mesure plus vers le nord, tu continues là-bas à mesurer, après tu es retombé devant de nouveau un nouveau truc, tu redescends plus bas, d'accord? Tu fais, l'essentiel c'est que tu fasses des segments qui avancent toujours dans le même sens, de 50, 50, 50, tu les additionnes, à une condition. Donc ça d'abord, l'allusion elle l'a fait, la Mishnah l'a dit, quand tu m'as dit Choser l'Emidato. Et tu reprends le cours de ta mesure, c'est-à-dire tu as commencé à mesurer, tu es arrivé devant l'obstacle, tu déplaces, tu mesures, tu peux revenir sur ta ligne initiale, tu reprends ta ligne initiale, tu vas continuer à partir de là-bas. Mais à une condition. Bilvad Sheloyetse Chotzlat, ma condition que tu ne sortiras pas à l'extérieur du trou. C'est-à-dire, je te dis par exemple que tu peux te déplacer vers le nord ou vers le sud pour chercher un terrain plus plat pour mesurer. Mais à une condition, tu n'oublies pas. T'as aussi 2000 amas en haut, au nord ou au sud. T'as pas le droit de partir mesurer à l'extérieur du Troum. Tu restes dans le périmètre du Troum pour mesurer. Tu commences ici, tu te déplaces un peu vers le nord, tu te déplaces un peu vers le sud, mais tu ne sors pas à l'extérieur du Troum. Pour quelle raison? De peur que quelqu'un il va te voir. On sait très bien que toi, tu es celui qui mesure le Troum. Quelqu'un va te voir que tu es sorti à l'extérieur du Troum. On va commencer à dire, ah là-bas aussi, il y a pas, c'est encore le Troum, on a le droit de partir là-bas, Shabbat. Pour ne pas arriver à cette situation, tu mesures tout à l'intérieur du trou. Ok? La Mishnah continue maintenant. Imeno Yachol lui aussi, maintenant il n'y a rien à faire. Il est dans un terrain, dans une ville, en pleine montagne, ça fait que de monter, descendre de partout, il n'y a rien à faire, tu ne peux pas prendre ta mesure normale. Alors là, Bezo Amar Rabbi Yanaï, Rabbi Dostai bar Rabbi Yanaï, sur ça il a dit Rabbi Dostai, fils de Rabbi Yanaï, Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir, Shamati Shemekadrin Beharim. Alors là, je traduis ça littéralement, vous allez apprécier. Shamati, j'ai entendu qu'il y avait une solution encore de percer la montagne. Genre le gars, il faudra percer avec la montagne pour pouvoir mesurer avec sa corde. Bien évidemment, c'est pas la solution qu'il propose, il y a une solution beaucoup plus simple pour mesurer. Mais Kadrin Beharim, en fait, c'est pas la peine de percer la montagne, on a une solution plus simple. Cette fois-ci, on te permet, comme ça le Barbarie l'explique, on te permet de prendre une corde qui fait 4 amotes de long, uniquement. Et on va prendre deux personnes. Chacun, il va l'attraper à une extrémité. Un, il met la corde selon la dénivellation. Tu te débrouilles, en fait, pour garder ta corde droite. Et tu. Donc, moi qui vais être en haut, je mets la corde au niveau de mes genoux, de mes pieds. Toi, tu prends l'autre extrémité de 4 amotes uniquement. D'accord, comme ça on va pas se rendre avec des grandes déviations. Tu avances, tu vas tendre la corde 4 amotes en tenant la corde toi sur ta tête. Donc en fait, moi j'attrape au plus bas, toi t'attrapes au plus haut. On a réussi comme ça à mesurer jusqu'où va s'étendre le trou. Et là en fait, on agira ainsi. Imaginez par exemple, vous êtes sur le plateau de la montagne, et la montagne ne fait que descendre. Alors je t'ai dit, tu ne mesures pas 2000 amas comme ça. Tu mesures tes 2000 amas, en fait tu vas faire un segment 2. Sur 4 amas, tu mesures, après plus bas encore 4 amas, après 4 amas, 4 amas, 4 amas, tu réitères le procédé pour arriver à 2000. Ça va vous faire combien 200 fois. Donc si je me dis 2000 divisé par 4, bah, ta télé fatiguée, ça marche pas, elle est 500 fois. Et donc tu fais 500 fois le procédé, et donc tu recommences, et tu mesures comme ça 4 amas, tu descends. Il s'avère que finalement, concrètement, sur la carte, tu t'es effectivement, tu as pris 2000 amas, concrètement sur le terrain, ça s'étend beaucoup plus que 2000 amas parce que la pente, elle peut parfois même atteindre, je sais pas, 3000 amas. Ouais, malgré tout, ça marche, tu calcules de la sorte. Et c'est comme ça qu'on considère le 2000 amas. Il y a sur ça une allusion dans le Barthénois importante que la Mishnah nous a dit Bezo Amar Rabbi Dostai Rabbi Anaï. Dans ce cas, il a dit Rabbi Dostai Rabbi Anaï. Je suis sûr, dans ce cas, mais pas dans un autre cas. Soit, en réalité, il y a deux halakhot de la Torah aussi où il faut mesurer. Dans deux domaines de la Torah, on a trouvé, il y a sur le Ir Miklat et sur la Egla Arufa. Ir Miklat, c'est les villes refuges.
Et Egla Arufa. Egla Arufa, c'est lorsqu'on trouve un mort entre deux villes. Alors il y a tout un procédé quoi faire, qu'il va falloir apporter une génisse et lui fracasser le. J'ai pas de mots comme ça. Ouais, le faire la Arifat Egla. On lui fracasse le. Avec une hache, on lui coupe la mafriquette. D'accord, la mafriquette. J'ai pas le mot. La nuque. On l'énuque, c'est le mot exact. On lui casse la nuque. Et il y a tout un procédé à faire, tout un rituel à faire là-bas. Pour maintenant, lorsque le mort se retrouve entre deux villes, il va falloir mesurer de quelle ville il vient. Il va falloir mesurer. Sur ça, imaginez maintenant on se retrouve dans deux villes où, comment dire, avec un, sur la carte, géographiquement, à vol d'oiseau, le mort il est plus proche d'une ville que de l'autre. Mais concrètement, la ville proche, en fait, il y a une grosse pente qui fait que les 100 amot, par exemple, ça devient des 150 amas. Tandis que l'autre ville, elle était à 120 amas en surface plate. Alors dans ce cas-là, on ne calculera pas selon la dénivellation. On calculera concrètement sur le terrain, concrètement, qui est plus loin. D'accord? C'est pour ça qu'il a insisté sur le bezo. Dans ces mesures-là du Trump Shabbat, parce que le Trump Shabbat n'est que Midera. C'est un gros sujet, est-ce que le Trump Shabbat est Derabanan ou Deroita? Si c'est Deroita, quelle mesure est Deroita? Mais l'histoire de ne pas sortir au-delà de 2000 amas, c'est un cas d'interdit Midera. En réalité, on en ressortir plus selon la Torah, même si on pense que trop Midera. Et du coup, donc, Chachamim, qui ont fait ce décret, ils ont été beaucoup plus permissifs sur la manière de le calculer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.